Salut YouTube, j'ai envie de canner, mais on continue Lost in Random, donc ça va. Quoi ça? Défile? Et tous vous bannent. Tous. Je serai tout seul sur ce stream. Tous vous bannent. Tous. Mais vous pourrez demander un déban. Eriam? C'est qui Eriam? Au secours, il me fait peur. Vous pouvez vous désabonner, effectivement. Bisous, je m'envole. Faut pas se laisser décourager. Vous êtes des boulis, vous êtes en train de me boulier. C'est ça que vous êtes en train de faire? Vous jetez des caillasses aux petits enfants, vous, quand, à vos camarades, quand vous étiez en primaire? C'est ça que vous faisiez? Dégage d'ici, une arde. Que c'est tous les enfants de la cour de la reine qui sont en train d'insulter ma sœur. Parce qu'elle est arrivée à la cour alors qu'elle vivait avec les souillons. Alors qu'on vivait dans une caste en dessous. C'est peut-être ça qui est en train de se passer. Ça a même l'air d'être ça. She's not a sixer like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a oneer. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the black dice? I mean, no. I just. Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you've lied to me either way. I mean, lying should be punished, Odd. Don't you agree? You don't have to. I was just. Now, there's no room for pity. Either everything's fair or nothing is. Ça boulie sévère quand même, hein. A water. Off to the garbage for you. I'm not garbage. Well, agree to disagree, love. What's this? A lunchbox? Ha! A living lunchbox! Monster! Moi quand j'ai faim. J'aimerais bien avoir une lunchbox qui parle. Comme j'ai pas d'amis, ça me tiendrait compagnie, quoi. Well, we're here. Let's see where here is, Dicey. On va finir en déjeuner. Je veux voir jusqu'à combien de mots en D vous êtes capable de trouver. Ouais, il doit y en avoir pas mal quand même, hein. Je peux pas bouger, je suis blessé. Pourquoi il y a un rat qui me suit? T'es mal à la taille du rat. Il est où le rat? Le rat! Il est là. Ça fait rien. Par contre, argent. C'est quoi ça? Un engrenage. J'ai cru que c'était un énorme rat encore. Even had a feeling. Call it a hint that a new friend Dicey would be able to open that door for her. All it would take would be a roll or two. Ah, ça. C'est désagréable, mais on te laisse emporter par le désespoir. Vous me dégoûtez. Voilà. C'est le dégoût, là. Le dégoût.
Le dégoût prédomine. Tout simplement, en fait. Juste l'énorme dégoût, quoi. Allez, viens là. Triangle. 2. Il faut faire un 1, non? Ah non, il faut faire un 2, là-haut. Le dégoût, effectivement. C'était le but, Miro. C'est-à-dire que moi, quand j'en fais, vous... J'ai pas le droit d'en faire, moi, ça y est. Elle est technique. Elle est technique, mais elle est délicieuse. Délicieux. Vous l'avez? Vous l'avez chez vous? On est où, là? Dans cette étrange région, Père avait encore une fois creusé la route du mystérieux fantôme qui l'a guidé hors du Nibouar. Le mènerait-elle à un père cette fois? On est à Doubleville. Ah, on a changé. Ok, on a 2 pages de livre, 4 cartes et 5 quêtes secondaires. Ok, on arrive vraiment dans une vraie zone, là. Là, ça rigole plus. C'est les embrouilles. Marcelin. Ça s'appelle Marcelin. Vous pensez que c'est un saint? And they both love it. Oh, have you come to see our new moon? Oh, you're in for a treat. 2 lunes. Il y a la vraie lune, il y a une lune de détritus, non? Bizarre. Le détritus? Un jour, vous avez un pote qui s'appelle Détri. Éloignez-vous. Parce que le détritus, en fait. Allez! Je vous ai contre-jeu de mots. Et lui? De vide. Comment il parle? Il me fait mal à la tête. Je veux aller reparler. Je peux lui reparler à lui. Au secours. Il s'est irrité avec toutes ces bêtises. On est déjà déshonoré. J'accepte. On va pas s'énerver pour ça. Il y a tellement d'argent par contre. La malice. Détruisez 50 jars. Je vais savoir ce que c'était. Je pensais que c'était être l'homme le plus riche du monde. Ça, je le suis pas. Désolé. Je sais même pas si je vais pouvoir manger des pâtes ce soir, donc c'est dur quoi. Ok, on saute. Et là, j'ai un truc exceptionnel. Attendez, je vous dis ça après la cinématique. Good morning, world. It's a beautiful day. My favorite kind. Oui, tire la gueule. Any second now. Oh la reine, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, cursed too. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a 2! What a delightful! Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Je crois qu'il est bipolaire. T'as dit de l'argent en bas, Crocoline? Argent! Merci, Croco. Ouais. Ouais, au prochain stream, j'aurai des nouvelles lunettes.
Prochain stream qui sera peut-être demain, mais probablement dimanche. Certainement dimanche, prochain stream. Donc voilà quoi. Vous allez même pas me reconnaître quoi. Vous allez arriver sur ce stream, vous allez dire oh là, mais c'est qui? Et je vais vous dire c'est l'autre débile, et là vous allez dire ah ouais, je me souviens. Rue à double sens, rue marchande, square du 2. Et plus d'argent? Plus d'argent. Ok, let's go. Argent! Plus d'argent. Argent! J'ai loupé l'argent. La vache. Est-ce que vous vomissez à chaque fois que vous avez envie de vomir, à chaque fois que je vise? Uno. C'est encore lui? C'est le même, non? Uno la guigne. Pardon? You heard me. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. C'est pas bizarre. You are. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two-Town. I reckon you're a wanner, and you don't belong here. J'ai que passer, c'est bon, calme-toi. It seemed to even that there were two sides to every story. Especially here in Two-Town, where even the residents seem to be of two minds. Ah d'accord, j'ai compris ce qui se passe ici. En fait, ils sont à double ville. On est à double ville, donc tous les habitants ont deux personnalités. Et donc la reine avec son dé, quand elle tire un dé, ils ont soit une personnalité, soit l'autre pour la journée. Et donc là, elle a tiré un 2, donc ils tirent tous la gueule. Je viens de comprendre. Trop bien. C'est pour ça que l'autre est passé de joyeux à tirer la gueule en 3 secondes. Voilà. Oh l'argent! Je suis si riche. Si riche. Ray Quardo lui-même. Weirdo, le dernier dinosaure. Mon ami est bien plus. Va chercher. L'argent. Plein d'argent. Elle est ouais, la zone est grande. Pas trop où faut aller du coup. Plutôt en bas, plutôt en haut, plutôt en bas. Voyageons. Dans ces contrées. Oh l'armoire chelou. Argent. Yo Max! C'est le week-end Maxime? On est au début pour le moment. Enfin on est dans la première vraie zone en dehors du tuto là. Et c'est plutôt cool. Pour le moment. Pas encore, c'est la fin de journée. Et Max il a 150 ans. Oh, c'est le vendeur de cartes, Maximilien. Regarde, Max, t'arrives au bon moment. Il y a ton cousin. Vous voulez dire des cartes comme celles que j'ai récupérées? J'ai les mêmes dents. Ça m'étonne pas. Hein. Only for the most discerning of customers. Ooh, I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another cardosaur. Manny Dex, at your service. Maximilien Dextre. Et du déstockage. Énorme. Une carte esseuse? Yes, of course. It's a combination of card plus connoisseur. It's a portmanteau, you see, which I guess is itself a combination of ports and mantos. Whatever those are. Now listen, since you're a fellow connoisseur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manny Dex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in. On the house.
We'll just need to teach you how to use it. Il va me donner un truc, j'ai pas compris. Il me donne un classeur, ok. Il me donne un classeur pour classer mes cartes. Super. Qui veut faire un tournoi de Magic avec moi? Votre propre classeur de cartes, utilisez régulièrement pour modifier votre paquet et essayer de nouvelles combinaisons. Ok, on va pouvoir faire des decks. Stylé. Appuyez sur triangle. Tac. C'est plutôt pas mal pour le moment, ouais, Max. On est au début du jeu, faut voir comment ça va. Mais ouais, pour le moment, l'univers est cool et le peu que j'ai vu des combats, c'est plutôt bien foutu. Ok, on est au deck. Ceci est votre classeur de cartes où vous pouvez examiner et modifier votre paquet. D'accord. Placez-vous sur une carte dans votre paquet ou dans votre inventaire pour afficher une description composée des éléments suivants. Titre, description, effet de carte. Ok, c'est en bas à gauche. En bas à droite. Enfin, en bas à gauche, putain. Ma droite et ma gauche, je la connais par cœur. La dimension imprévisible, mais parfois génère. Ok, ouais. Il existe 5 types d'armes. Les armes, les dégâts, défense, danger et la triche. Ok. C'est votre inventaire dans lequel vous pouvez voir toutes les cartes qui ne sont pas dans votre paquet. Très bien. Ceci est votre paquet. Il contient les cartes que vous utilisez au combat. S'il y a au moins, s'il y a moins de 15 cartes dans votre paquet, celui-ci est automatiquement rempli avec des cartes de votre inventaire. Pour l'instant, vous possédez moins de 15 cartes, mais dès que vous aurez 16 cartes ou plus, vous pourrez personnaliser votre paquet. Dès que vous le souhaitez, appuyez de nouveau sur le pad pour quitter le classeur de cartes. Ok. Pour le moment, c'est vraiment cool, ouais, Max. Enfin, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous qui êtes là. Ah, il y a pas mal de cartes quand même. Regarde, il y aura pas mal de cartes différentes. Je suis absorbé. Mec, fais gaffe quand même. Ça peut être dangereux tout ça. Ouais, ils vendent des cartes. Oh le malin. On n'en parle pas assez, mais en fait, c'est un exhibitionniste. Mais dans ce monde, c'est logique, quoi. Parce que là, ce qu'il fait, c'est exactement comme si moi, j'allais à poil dans la rue avec un manteau, quoi. Donc bon, voilà, quoi. D'où viennent vos cartes ? Where do I... Oh, mate, if I tell you my sources, what's to stop you from turning your body into a store and setting up a competing shop, eh? I ask you. Ma terrible envie de ne pas le faire. Il parle de son corps magnifique. Ah, j'ai plus envie. I'm afraid I can't tell you the provenance of my cards. Just that they're an amazing deal. Best in random. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Mon corps en boutique, c'est un projet. Ouais, ça s'appelle la prostitution. Vous pouvez me trouver sur tous les sites d'Escort Boy du monde. N'hésitez pas. Je suis pas très cher. Tout le monde est une boutique dans votre famille? Is everyone in my family a store, you ask? Honestly, I think the answer to that is pretty obvious. Non. No, you don't think the answer to that question is pretty obvious? Well then, we'll just have to agree to differ. Maximilien, il m'énerve. Ok, si je peux lui dire un truc différent. Is everyone in my family a store? You... Glad you agree. Then we both agree the answer to that question is pretty obvious. Ok. Vous êtes né comme ça ou c'est un choix de votre part? Mate, we're all born one way, and we all decide what we want to do with that. Ça doit être si lourd à porter. I was born with an interest in trading cards and decided to absolutely lean into my interest in trading cards. All the way, mate. J'avais pas vu, mais notre perso, il a une sacrée queue de cheval. Elle tient toute seule. Sérieusement, votre corps m'intrigue beaucoup. On va commencer à être un peu weirdo, là. Comment êtes-vous arrivé ici? Ok, je voudrais acheter des cartes, on n'a plus d'options. Bienvenue à la boutique de cartes, elle est un peu vide pour le moment. Rectifions ça tout de suite. What? Oh, on peut ouvrir des decks de cartes? Oh l'enfer! J'ai pas de carte danger encore. Oh, une carte danger. Ah, ajouter à la boutique.
Ah si, les bombes, c'était des cartes danger. Désolé, j'ai ouvert avant, Miro. M'excuse, je voulais pas. Magnifique, vous pouvez désormais acheter ces cartes, tout juste débloquées. Vous voyez cette jauge de pièces sur la droite? Je vois pas la jauge de pièces sur la droite, une jauge de pièces. Ah, la jauge tout à droite, ouais, ok. Chaque pièce que vous dépensez dans la boutique remplit la jauge. Lorsque celle-ci est pleine, vous pouvez choisir un nouveau paquet de cartes et l'ajouter à l'assortiment. Plus vous achetez de cartes, plus il y a de cartes disponibles. Ok, c'est bien ça. Nos fidèles clients auront droit à une belle surprise. Débloquez un maximum de cartes pour découvrir de quoi il s'agit. Ok. Pour le moment, je suis amoureux du jeu. On verra après. Qu'est-ce que je pourrais acheter, là? Beta marteau. L'esprit de double ville se manifeste sous la forme d'un puissant marteau. Appuyez carré pour frapper. Carré pour lancer une attaque tournante. Il coûte 3. 3 en truc. Ouais, c'est les cartes que j'ai déjà. On a de la défense. C'est un peu nul. On n'a pas besoin. 20 critiques. Invoque un icosaèdre. Un icosaèdre démoniaque qui blesse toute créature sur son chemin. Il rebondit sur les obstacles et disparaît au bout de 20 secondes. Ça peut être bien en vrai. On va acheter ça. Ok, ça c'est quoi le 1? Invoque une horloge qui ralentit les adversaires pris dans sa poche dimensionnelle. Invoque le point puissant d'un roi qui frappe tout adversaire situé devant lui. C'est incroyable ça. Achète. Il y en a plusieurs à acheter. Poser des pièces pour développer l'assortiment de cartes de Maximilien. Ok. Je pense que je vais acheter une carte de tout ce que j'ai pas déjà. 240 et 120, ça suffira pas. On va acheter la grosse. C'est un cadeau pour vous récompenser de votre fidélité. Appuyez sur pour utiliser une broche dorée dans la dimension et conservez une carte dans votre main jusqu'au prochain lanceur de dés. Lancez de dés. Plus vous avez de broches, plus vous pouvez conserver de cartes. Ok. On ouvrira les dégâts cette fois. J'ai fait plaisir à Miro. Ça a l'air bien. Malédiction de cristal. Vas-y, se transforme en bombe à retardement. Explose après 9 secondes. Je pense que je vais garder ma thune pour le moment. Et ça, c'est quoi? 30 secondes. Quand Pierre utilise son esquive de déphasage, l'adversaire qu'elle traverse subit des dégâts. Ah, du coup, faut jouer esquive. Pas mal ça. Ça c'est quoi? Imprudence. Une malédiction de faiblesse s'abat sur les adversaires à portée. Vas-y, on va acheter ça. Attends, on a plus de thunes. Oi oi, many decks here, card in... Oi oi, many decks here, card enthusiast and living store. Il fait peur. On peut juste lui parler. Réaction sur la conférence Sony d'ailleurs. J'ai pas fait de réaction sur la conf, c'est vrai. Je l'ai regardé hier soir. Et ouais, il y a eu des trucs plutôt cool annoncés. Après, voilà, bon, à part God of War, on a vu en exclu pur. On a vu du gameplay qui sortira probablement pas avant la fin d'année prochaine. C'est tout, pas avant 2023 minimum, quoi. Donc on est large, on a le temps, quoi. Mais sinon, on a revu quoi? On a vu Project F, ça a l'air cool. Forspoken, ça a l'air cool. Wolverine, pareil, ça a l'air cool, mais Wolverine, c'est à des années-lumière d'ici. Je pense que Spider-Man 2, c'est la priorité. Il vise 2023. Donc Wolverine, ça sera après Spider-Man 2, très probablement. Donc c'est pas tout de suite, quoi. Il y a Gran Turismo 7 aussi, mais Gran Turismo 7, moi, ça me parle moyen. Mais j'avoue que c'est cool hein, pour ceux qui aiment la simu. Ouais, voilà, on a eu ça. Pas mal déjà. Le remake de Kotor. Ça peut être sympa aussi. À voir. Je parle. C'est du spam. Ouais, il y a 2-3 trucs. Cool, Wolverine et GT7, pour toi, ce qui t'a le plus marqué, Miro? Oh, le fantôme, il y a toujours le fantôme. Il hein. Faut pas aller là, il me faut la clé. Je sais pas ce qu'ils vont faire comme jeu, Wolverine, avec comme genre.
Ils vont faire un espèce de monde ouvert, ça va être par mission et trucs comme ça. Et le jeu d'aventure dont j'ai plus le nom. Tu parles du truc de Square Enix, Forspoken. Un petit RTS Wolverine, Forspoken. Il y avait Chia aussi qui avait l'air cool, mais on l'avait déjà vu. Le jeu basé sur les légendes de Nouvelle-Calédonie là. Qui est débloqué à développé par une team à Bordeaux d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Yo bro. Have you seen the upside downtown? I'm building it. Forspoken, ouais, ça a l'air cool aussi. Pareil, c'est prévu pour un temps l'année prochaine. Ça sort sur PC aussi, Forspoken. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une PS5. La ville à l'envers. The flipped city in the sky. You can't miss it. Mais c'est parce qu'il voit à l'envers. Lots of construction jobs up there. Je vous explique. That whole site was designed by Her Royal Highness the Queen. It's the ultimate expression of Two Town. Name Smokey, by the way. Fumeroll. Tu me fumes. Je voulais dire qu'il y a deux doubles villes. That's it. That's exactly it. Everything must have its other half. It's only natural. Some call the upside downtown a mere distraction, a minor obsession of the Queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? Par leur nom? Appelé par leur nom? Ah, good one. No, they're traitors. They're obviously traitors. It's the ultimate expression of Two Town, what it was always meant to be. Two cities in one. Qu'ils arrêtent la drogue, les gens dans le jeu. I'm sorry. Dans ma pause. Now, and Smokey only gets a little time for himself, don't he? So you'll have to excuse my rudeness, but I don't have much else to say. You know, you should go see the upside down. La ville à l'envers. On va aller voir la ville à l'envers. Toi du maire, le maire de la ville à l'envers. Et ouais, sinon la conf Sony, je sais pas s'il y a d'autres trucs qui vous ont marqué. Je crois qu'on a à peu près fait le tour en vrai. Et il y a quoi d'autre? Ils ont commencé par Kotor, ouais. Après il y a eu Project Eve, ça a l'air sympa. Let's go le combat! Au square! C'est assez facile en fait de faire la phase pour passer à travers. Ok. Les gardiens de la galaxie, c'est vrai, ouais, mais on l'avait déjà vu les gardiens de la galaxie. Ça sort fin octobre. Je sais pas si je le ferai. Tiens, je peux pas cheater pour avoir un 3 là. Je dois lui balancer une bombe. C'est pas mal de dégâts la bombe en vrai. Allô? Ah, mais c'est qu'on peut lui faire zéro dégâts autrement. Va récupérer, mec. Vas-y. Gardien de la galaxie, à voir, hein, mais... Mais ça avait l'air bien mou du cul quand même. Invoque un Nikosa. Ah ouais, ça peut être marrant. On peut voir ce qu'on fait. J'ai pas une carte de triche là. Chaque carte dans la main de père coûte un jeton de moins. Ah, ça c'est bien ça. Est-ce que ça coûte 0 du coup les cartes à 1? Elles coûtent 0. Trop bien. Du coup, on va jouer celle-là. Je vais celle-là. Je vais l'éclater, le pauvre. On va jouer celle-là. C'est cool, ouais. Le gameplay est cool. Ça fait que les combats sont un peu longs, du coup. Ouais, il s'est fait ramasser la gueule.
Mais ça me déplaît pas trop, quoi. Et du coup, ouais, faut booster son dé pour pouvoir tirer des cartes, ensuite le lancer. En fonction du lancer que ça fait, ça donne un nombre de points de cartes que tu peux jouer. Et ensuite, tu joues tes cartes. Et c'est plutôt bien pensé. De l'argent. Argent. Donne l'argent. C'est très RPG au final. Ouais, pas tant que ça en vrai. T'as l'aspect deck quoi. Deck building, mais sinon pas tant que ça. Et pour le moment, mon dé, il peut pas faire plus de 2 points. Un peu deg. T'as un peu un petit côté tour par tour, mais en vrai... T'as juste un petit côté stratégie dans les combats, mais c'est pas non plus... C'est pas la folie, quoi. Un peu comme ça, Dragon Age Inquisition. J'ai pas fait Dragon Age Inquisition. Mais je veux bien te croire. Que je joue à Dragon Age, du coup. On va retourner en combat. Let's go. Il y a plus d'ennemis là. J'ai oublié de phaser. Ok, on a une carte de triche. J'aimerais bien avoir la carte à 3 du coup. De toute façon, on a la carte main pleine. Ok, on va faire ça. Elle, je vais pas la jouer tout de suite. Ah, mais si, mais j'ai que 1. Merde. On va jouer la carte triche. On va avoir un 2 et on va jouer la bombe. On se fait un truc du genre ça. Avec un peu de chance, l'autre va courir vers moi. Parfait. Parfait! Ok, on a phasé, c'est cool. Ok, fais un 2 s'il te plaît. Merci. Pourquoi elle brille, celle-là? Je vais la prendre. Je sais pas pourquoi elle brille. Épinglée. Pas compris. Main du roi. Oui. Tac. Parfait ça. Ça repart. The Ascent, mais tu sais que je l'ai toujours pas, Maxime The Ascent. Je l'ai avec le Game Pass, mais c'est tout. On peut toujours pas le faire. Au secours. On va lancer un petit dé là. Épée gamin. Ouais, je vais la rejouer. Et du coup, ça re-augmente mon truc. Pourquoi que je fais plus de dégâts. Aïe. Ok. Comment je me suis fait toucher alors que j'étais derrière lui. Le jeu il se fout de ma gueule. Lance. Une main là. Fais la main là. Fais la triche. Va chercher l'arc. Change d'arme. Let's go. C'est vrai que tu pourrais choper le Game Pass pour le mois. Moi du coup je crois que mon mode Game Pass il va pas tarder de finir aussi. Récompense, devise pour acheter des cartes.
Pourquoi il me donne 110 pièces? Juste la récompense du combat? Ok. Une clé. Énorme. Nombre de deux cités, une délicate créature. L'unique but dans la vie est d'ouvrir une porte bien précise. Énorme. Mais tant mieux, on peut apprendre le Game Pass, Maxime. En vrai. Parce que... Non, je vais devoir reprendre un mois. Parce que là, il doit se finir dans pas long. C'est quand, 12 minutes. La semaine prochaine, j'aurai pas trop le temps de jouer. La semaine prochaine. Je viens d'où? Je viens de là? Bien. Mais de toute façon, je suis obligé de revenir en arrière en fait. Il y a des quêtes secondaires et tout, mais on les voit pas. Quoi? Envie de canner. Il y a pas d'argent hein, là, c'est bon. Hein. Là-haut, argent? Non, pas d'argent. Et donc j'ai la clé pour en bas, mais j'ai envie d'aller en haut voir ce qu'il y a. Yo, monsieur le loup. Qu'est-ce que tu veux? Jeanne Misère. Que voulez-vous? J'ai envie de te parler. Alors, ce n'est pas un bonhomme, et ensuite, rien ne m'oblige à vous répondre. Oh, sure you don't. But then, maybe I start talking to other people instead. Maybe I start telling them all about you. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize. Jeanne, elle me saoule. I've been extinct for so long. Banned by the Queen, and she's got a terrifying black. The only one left in all the land. Or so she thinks. Vraiment pas de quoi vous voulez parler. I'm sure you don't. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. Voilà. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Jeanne, elle va nous avoir des problèmes ou pas? Si vous connaissez si bien les dés, vous devez aussi savoir de quoi ils sont capables. On lui fait peur. On lui met la presse. On lui met la pression. No need to threaten the curious. Do say I to the queen once she does find you. Jeanne, désabusée, totalement. Jeanne, elle est là. Jeanne, au secours! Au secours, Jeanne! Je sais pas si c'est là, le progrès, ou si c'est en bas. Le principal, c'est triangle. Ouais, c'était en bas. Oh, je sais pas. Voilà, petit dé. Trop fort, juste trop fort. Viens, on inverse. Va là-bas. Pourquoi? Ah ouais, non, mais si, faut que je pointe. C'est ça. Juste trop fort. J'ai des trophées parce que je suis trop fort, en fait. Ok. On a trouvé le livre de compte. On a trouvé de l'argent. On a tout trouvé. Dieu m'a donné la foi. Que je ne sais pas.
J'ai dans mon cœur quelque chose qui quitte mes pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok. Prends le livre de compte. Page du livre de compte. Let's go! On la lit? Qu'est-ce qu'elle nous dit de neuf? La vie était belle et un peu folle. Un joyeux désordre. Genre de dés se défier mutuellement au cours de grands tournois pour gagner les faveurs du roi ou de la reine, ou tout simplement le respect de leur père. Les règles étaient chaotiques et capricieuses, les combats plus encore, et les citoyens d'Alea aimaient de tout leur cœur les lanceurs de dés et leur jeu un peu fou. On saura un jour peut-être le fin mot de l'histoire. Et combien de... Il y a encore une poche de livre à trouver ici. Faut qu'on redescende. Pouette. J'ai envie d'aller reparler à monsieur là. Je pense que je peux lui racheter une carte. En vrai, j'ai combien? Combien de thunes? J'ai 162 thunes, non, en vrai c'est pas beaucoup. Let's go la clé. Poisson de mort. Oh le gars, le fantôme. Argent. Raymond. Raymond Domenech. Mais c'est le marché. Argent. La musique est cool. Putain, l'eau de deux paires de chaussettes. Cadeau idéal pour la vie à deux. Et déjà des chaussettes, ouais. Salomon barbe molle. Y'a que des gros poissons. Bon, c'est dans le coin. Viens me voir, on leur bourse. Je crois qu'il aime plus l'argent que moi. J'ai l'impression qu'il aime plus l'argent que moi, ça me débecte. Faut grimper là? Ou pas? Ratzadgoul. Batman, ça c'est dans Batman. Ah, il veut mastiquer des trucs à ma place. Oh, ça dégoûte. Quand je serai riche, j'aurai un masticateur personnel. On est en train de mâcher aussi. Prosper l'élégant. Petite gorgée de jus de Zupa. Il n'y a plus de dialogue, ça bug. Ça a bugué. Rue Marchande, Square du 2. Maxime Ledoux. Toi, Maxime Ledoux. Il a l'air bizarre, Maxime. Il y a Maxime, mais Maxime, il est dans le jeu. Il ressemble vraiment à ça, Maxime, dans la vraie vie en plus. C'est assez ouf. Argent! Théophile. Théophile prudent. Tout va bien? No, I'm stuck. Artist block. I trade my Gobblegrigger for a flash of inspiration. Oh. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art
is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading, Gobble Gregors, is so routine. Les Glooby Gratteurs. C'est quoi un Glooby Gratteur? Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? En fait. Nah, never mind. Whatever he's dressed up as, it's too close to a dice. No market for dice costumes. They're just as illegal and forgotten as the real deal. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially cousin du Bloob. Unusual. J'adore le Bloob. Pas de problème, je penserai à toi. Excellent. Keep your eyes peeled. Une quête secondaire, du coup, ça. Trouver un truc à lui échanger. Théophile, alors comment vont les affaires? Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? J'ai un mot à vous proposer si ça vous intéresse. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? C'est une expression en fait. Chérie, c'est moi. Oh, I've heard that before. It's a common phrase, and common things don't have value, I'm afraid. No, I can't do anything with that. No trade, kid. Question dans le chat, des mots, vous en avez plein, ouais. C'est pas les meilleurs, hein. Not you wouldn't happen to... A word? Now that... Allez, on répète la oh, même I've chose. Heard that. No Ok. Et du coup, est-ce que lui, c'est une quête secondaire? Est-ce qu'il est marqué en tant que quête secondaire sur la map? Où je suis censé être? Il a pas l'air. Hein. Donc toi, on peut pas te parler, apparemment. Petit Jacques. Sauver Petit Jacques. Est-ce que c'est le frère de Frère Jacques ou pas? My stock is twice as good as the competition. They've recently made their stock twice as good. So, mine is twice as good. Buy one, get one free. That's two items for the price of one. That's a deal specifically made Cellar Street. Don't miss it. J'avoue, c'est pas mal, hein. Oh, argent. Donne l'argent. Merci l'argent. Ça n'a pas mis mon compteur d'argent. Je sais pas combien d'argent j'ai. J'ai pas dit le mot argent assez fois. Assez fois. Assez deux fois. Un jour je parlerai français, pas aujourd'hui. Hein. La flemme. 240. L'allée des malandrins. C'est vous ça. I've only had dice described to me, kid, but that costume is dead on. Sail on food. J'aime tous le costume de dé de mon pote. Alors c'est un vrai dé, quoi. Dice once in whispers. Never thought I'd see such an accurate costume. C'est sa petite vie derrière moi, je l'aime bien. The heart of Dewtown was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in One Croft. Il y a beaucoup de monde à qui parler. Hector. I love the upside downtown. It's a whole second two town. Et tout le monde n'est pas de cet avis? And they're all right. It's a huge mistake. Vous venez de dire le contraire? Sorry. You must have been speaking to my other half. I hate it. By which I mean, it rules. Votre personnalité plus rapidement que les autres citoyens. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside downtown. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. Brilliant in both conception and execution. A... disaster in waiting that will make everyone happy to die one day so that they can escape this horrible monster city and then go to heaven, which will be exactly like the new upside downtown. Je crois qu'il a 2-3 problèmes d'indécision. Et vous pourriez juste dire que c'est pas mal. You know,
My doctor said the same thing. That getting so overwhelmed with the upside downs of this world all the time wasn't good. Éternuer, attention. I called him an insane. But maybe this time I should listen. J'essaie d'être discret. Okay, have a nice and depressing day. Even decided she couldn't quite keep up with Mr. Twofold. Okay. Boom. Let's go. Hi. Hello. Salut. Les jumelles de Doubleville, c'est bien ça? Indubitably. We're twins. We finish each other's. Il y a beaucoup de monde. Sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. We multiply each other's. Wait. What? What? You said we share each other's husbands. Yep. I don't. You've been kissing my husband. Oh my god! Two-timer! It's double the fun! Please excuse us. We need to talk about this. Sorry. Even decided she'd already inserted herself into the lives of the twins quite enough. Va à la gauche, là, y a un truc pour l'aider. Y a pas d'argent. Pire conversation. Ah, oh, c'est marrant, ça va. Ça va. J'aimerais pas avoir la conversation, c'est vrai. Ça reste marrant un peu. Les traductions FR sont mieux que les dialogues en vrai. Oh, les dialogues sont cool quand même. Mais en FR, ils ont fait l'effort de traduire tous les jeux de mots à base de dés et tout aussi. Et ça, ça fait plaisir. Ça se voit que la trad est bonne. J'ai fait tout ça pour de l'argent? Ça me va, hein, mais bon. La trad est vraiment bonne. Hein. Ils ont géré. Ils ont géré le pâté, comme on dit. Plus, en fait. Plus depuis 1956. Cette expression n'existe plus. Ok, par là. Montons par là. Ok. Oh! Argent. Bon, allez, je devrais aller acheter une nouvelle carte en vrai. Ah, ça, c'est une quête secondaire où on va là. Ok. Allons le sauver. Let's go! Un plein. C'est un peu relou de pas pouvoir faire plus qu'un 2. Par contre, je peux m'augmenter un truc. Je peux descendre mes cartes d'une main. Et du coup, je vais pouvoir enfin jouer ça. Ah mais non, je peux pas. Une merde. Tant pis, on va jouer à l'arc. Et c'est à peu près tout. Un en moins. Oh, c'est quoi ça? Il y a une bombe. Putain, j'ai que de la merde. Oh, la main, ça peut être bien. On la fout par là. J'ai mis un peu trop tard. J'ai pas géré du tout. Non, je suis pas plein encore. C'est où ? Ok, lançage de dés. Putain, mais je fais que des 1, ça dégoûte. Il y a des choses qui dégoûtent. Je peux rien faire de particulier à part prendre l'épée. Hein.
Toi, t'es dead. Je pouvais pas passer à travers, c'est pour ça que ça me bloquait. Il est dead. TUD. En fait, j'ai une carte à 3 alors que je peux jamais avoir 3. Je la vire. Alors peut-être fais un 2. Alors fais un 1. Je pensais que les gens me détestent. Je pense que ouais. Super. Un jour, je vais réussir à esquiver. Dead. TED. Fais un 2, je t'en supplie. Pas trop tôt. C'est cool parce que j'en ai plus besoin. Ça marche comment ça? Ah, ok, c'est un bouclier. Une zone. De rien. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird looking four-sided skull for a gobblegregger. That'll be just the thing I need to gobblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? Il faut un gloobie gratteur, c'est quoi? C'est quoi? You don't know what a gobblegregger is? Ah, forget it then, kid. But you know, do come back if by any chance you happen to find one. Comment on a un gloobigrateur? 110 pièces. Encore plus de thunes. Encore plus de thunas. Ouais. You don't know what a gobblegregger is? Ah, forget it then, kid. But do come back if by any chance you happen to find one. Comment on trouve un gloobigrateur? Donne le gloobigrateur. C'est pas l'autre là, le marchand qu'il faut que j'aille voir. Vas-y, va donner l'argent toi. 400 thunes, peut-être falloir que j'aille acheter des cartes. Ou que j'aille acheter des cartes pas chères là. That is such a creative dice costume. No way, Ronaldo, are you seeing this? What's a dice? Ok, il se parle à lui-même. Oh, c'est l'allée des maboules. Que des maboules. Not you wouldn't have a word. Ah non, il répète la même chose, les gars. Faudrait qu'on retrouve un autre truc plus tard. Il est loin, le marchand, déjà. Elle est juste là, je crois. Tout va bien. On a quoi à lui acheter de pas cher? On va lui acheter ça, on l'a pas. Pas très utile. Ça fait beaucoup de dégâts en vrai. ...120 et 145. Ça marchera pas. Ouais, ça peut nous sauver. Triche, défense ou triche? Vas-y, de la triche. Ok. C'est quoi ça? Modifie aléatoirement le coût des cartes dans votre main. Chaque carte devient gratuite ou deux fois plus chère. Énorme. Ça vaut 0. Si une pièce est présente sur le plateau, elle se déblaise d'une case supplémentaire. Ensuite, vous piochez une carte. Sur le plateau, quoi? Pas compris. Ok, on tient 15 cartes. Ok. On modifie nos cartes maintenant. C'est le moment. Ah non, j'ai 15 cartes pile. Bravo à tous. 1, 2, 3. Hein?
que je fais? Je comprends pas comment ça marche, au secours. Je comprends rien. Ah, c'est ce que j'ai dans mon paquet, ok. C'est le paquet. Comment on fait pour enlever une carte? Rien. Ah voilà, il me manque des cartes, c'est bon. Ok, toi, tu reprends une deuxième. Faut qu'on vire celle à 3, là. Elle sert à rien. Après, j'aurais peut-être pas assez de cartes, hein. Remettre une comme ça. Ouais, si, on vire juste celle à 3 et c'est bon. Parfait. Vous avez modifié le paquet, oui, continue. Jamais douté. Ok, on continue. Au niveau de la carte, on en est où, là? Combat, combat, combat. On va continuer, hein, on va aller courir après le fantôme. Pam, 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 da, da. L'allée des malandrings. Il y a encore Jean-Michel Poiscaï qui va nous parler. Argent! Words for sale. Who wants to buy a word? Qui veut des mots? Here's one for free. Syzygy. D'accord. Du coup, si je l'ai entendu. Words for sale here. Choice words. Pluviophile. It means lover of rain. That's just a free sample. Maintenant que je l'ai entendu. Je peux le vendre à l'autre? Ou pas? Not you would a word? Now the... On peut toujours pas. Ah, chier. Chier des bulles. Il est nul le jeu. Le jeu est nul. Who wants to buy a word? I got clinomania. Clinomanie? C'est quoi la clinomanie? Père du 2. Ça sent la reine là au milieu. Et une tour. Et des quêtes secondaires. Au secours. J'aurais pu aller là directement et j'aurais pu acheter. Ok. Il a plus son cerveau dans sa tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Une petite potion? Ah, d'accord. Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Oh. You're not from around here, are you? Pas vraiment du you coin, must non. Feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! J'ai perdu la tête? Split personality. Though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Tout le monde a une double personnalité par ici. Keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half, but even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love.
In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads. Il aime les big bisous baveux. Our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Avec une entreprise. The manufacture and sale of potions. It takes science and creativity, which I have, and fact and logic, which I have. Jared here does science by intuition. It's incredible. By which I mean it's literally not credible. You know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. C'était sûr, en fait. I'm afraid time is of some matter because c'était my sûr. Partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. J'ai envie de choisir un camp. Even with these fingers in my ear, that sounded like a no. But perhaps it was a yes? It's logical for me to assume that it was a yes. Yes. Now then, I require three bloobs. Il faut des bloobs. Remarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. Bon, faut savoir ce que c'est. About harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Si les blooms n'ont pas envie d'être transformés en soupe. I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find three bloobs for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Ah, il est toujours là. No, no, he's gone. We can talk in private. Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion. Faut choisir à quelle tête on va la donner, du coup, la potion après. There's no stopping him. It's logical. So, you know, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Je suis pas une meurtrière. Nobody's going to die. It'll be fine. But I trust you and you don't need to decide now. Get the bloobs, only give them to me instead of him. Got it? Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. OK, ils me font peur. Argent. Et là, la récompense. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Au square. Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a three would open it. But Even's friend was one dot short. He could only roll a one and a two, and Even would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? I wonder if they could fix you. Trouve un point pour mon dé. Alors, faut qu'on se fight. Atteignez la fin. Arène de jeu. Quoi? Vous êtes coincé dans un jeu de plateau. What the fuck? C'est une rencontre spéciale dans laquelle vous devez atteindre un objectif pour gagner. Ok.
de jeu est simple, faire atteindre la case finale à votre pièce. Lancer des 6, la pièce avancera d'un nombre de cases égal au résultat de D lorsque le temps reprendra son cours normal. Si la pièce s'arrête sur cette case, une bulle de ralentissement apparaît sur cette case. Tous les ennemis et les projectiles qui entrent dans la bulle sont ralentis. Si le pion s'arrête sur cette case, un oiseau précieux survole l'arène. Ok, tirez dessus pour récupérer son trésor. Astuce, si vous trouvez un combat trop difficile, modifiez la difficulté des combats dans le menu. Il y a une difficulté ? Ouais. Il n'est pas plus haut que normal en fait. Du coup, il faut toujours lancer son dé en fait. On va mettre un coup de main là. Seemed as though Dicey is affecting that giant board game. Il est où? Il est là. Argent? Plein d'argent. Au secours, j'ai pas visé, un enfer. Deux. J'ai gagné du coup. Je win. Pas win. Peut-être pas win. Hein. Aïe. Peut-être pas win. Hein. J'ai peur d'être trop win. Hein. Vas-y, lance ça, on l'a jamais trop fait. Ouais, les relais frappés là. Aïe! Des trucs à zéro, let's go. Jouer ça. Et dans tous les cas, ça va lancer le truc. Pourquoi ça l'a avancé de 2 alors que j'ai fait 1? Le jeu me déteste. C'est pas gênant, mais faut le savoir. Fais un 2 s'il te plaît. Parfait. Let's go. C'est win. C'est sûr. C'est la ville à l'envers là du coup. Récompense. Si une pièce est présente sur le plateau, elle se déplace d'une case supplémentaire. Ensuite, vous piochez une carte. Ouais, mais du coup, faut. Comme ça quoi. Il y a de l'argent.
the number two come to random. And no, I am Manny Dex here, card enthusiast. Do I ever shut up? Argent. Edward, t'as quoi à vendre toi? 210, est-ce que j'achète un truc? Bonne fin de journée, Miro. Merci d'être passé. A plus. Bon vendredi. Bon week-end si je t'en vois pas. Bon tout, quoi. Bonne boire. L'élection de cristal, c'est fort en vrai. Ouais. On va tout de suite la mettre dans le truc. À la place de ce... À la place d'en avoir deux, là. Mettre une malédiction de cristal, là. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Y'a pas d'autre argent, là ? Ouais, ok, y'a une quête secondaire, là. Y'a une autre quête secondaire, là-bas. Il y a des trucs. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Attendez, tac. Voilà, parfait. Perfecto. Some of us are trying to sleep. On va récupérer ces quêtes. Yo! You can't hear that. You? That noise! Quel bruit. I'm trying to sleep, and that blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. Qu'est-ce que je peux faire? Lady, you'd do an old man's heart good if you could see your way to clearing those dang bloobs off my roof. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Thank you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down! Please don't dawdle now. I'm very old. Calme-toi quand même. You dang little bloob critter! Parle-moi mieux. Ok, ouais, le bloob est là-haut. Comment on monte? Là, là, là. On peut le faire direct, en fait. Yo, le bloob! C'est dégueulasse. Tu veux me dire quelque chose là? D'accord, je vais te laisser maintenant. On a le bloob. Récompense sans doute la créature la plus inutile de tout à l'heure. En tout cas, c'est ce qu'on peut vous faire croire. Ok, on a le premier bloob. Énorme. Énorme le bloob. Thank you, little one. De l'argent! De 4 sur 5. Ok. De quoi toi? Il y a moyen que ce soit un poil cher. Come closer, yo, tu veux quoi? You, child. I believe we can be useful to each other. Pardon? On se connaît? No, nor I you. Yo, Zouille! But it's a fate we've strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice with you. C'est vrai que c'est un dé.
Oh, lui, il connaît pas. Indeed, indeed. I am just speaking hypothetically. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say sa voix me stresse. Jeanne Moreau. The folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique. Say, a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course. And if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, insupportable. I'd be interested, and I'd make it worth your while. Worth your while, indeed. Comment je peux savoir si je peux vous faire confiance? Oh, goodness. You can't, child. But you can trade with me. That's all I'm asking. I've told you all I can. Except... Sauf que quoi? Except that I've heard whispers that someone is buying okay, words, je sais, ce qu'il veut faire. And someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. And then... You give it to me, and I will take care of it. Ok, j'ai vu l'argent. Attendez, j'ai vu l'argent, là. J'ai l'argent. Yozui, on joue à Lost in Random, sorti aujourd'hui. Très stylé. Très très stylé. Y a d'autres gens à qui j'ai pas parlé, là ? And lo, did the number two come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number two inspire all to place the queen for twice as long. And lo, did the king bless us with not one, but two crowns, and two moons rather than simply the boy. Y'a pas d'argent, c'est nul. Ok, barrons-nous d'ici. Du coup, attendez, les quêtes, on les voit où? On a un journal des quêtes ou un truc comme ça? Ouais, voilà. Le compte de deux cités. Ok, ça c'est le vrai, une récompense mortelle. Trouver le deuxième blob. Ok, ça c'est ouais. Ok. On va commencer par les mots. Donne-moi un mot. Crypteriez-vous de m'échanger votre mot le plus rare? My rarest word. That's a tall order. What do you have to offer in trade? Une blague. Let's hear it. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? Qu'est-ce qu'un oiseau qui se gratte d'un seul côté? Quel nombre le plus paresseux? Quel nombre le plus paresseux? Why? Le nombre d'or, bien sûr. 7, 8, 9. Ugh, keep that joke. I don't want it. What do you offer in trade? Aime pas ma blague? Notre blague? Let's hear it. Qu'est-ce qu'il est vert et qui se déplace sous l'eau? Un chou marin. That is worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy.
It's worthless and nobody will trade you for it. What do you have to offer in trade? Pourquoi personne aime mes blagues? J'adore, moi. Qu'est-ce qu'un oiseau qui se gratte d'un seul côté? How? Un oiseau migrateur. Oh, down, like as in oh, c'est énorme. Feathers. Oiseau migrateur. Not what do you have to offer in trade? Putain, un bitest, un morar. I'm listening. Un mot qui met l'eau à la bouche. Affriandant. Isome. It sounds gross. Like you're putting something in your eye. Gross. No thanks. No trade here. What do you have to offer in trade? Quel enfer. Un mot encore plus rare. Your last one didn't do anything for me, but I'm listening. Mot pour décrire l'alignement des planètes. Tizigi. I like the amount of Y's in that word, but three or more planets, oh, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass from me. What do you have to offer in trade? Ok, ce D. I'm afraid I don't go in for tangible items, kid. Too flammable. Nice thing about words is you can carry them in your head and nobody can ever steal them. Ah non, mais elle commençait trop loup, la meuf. Hey, here's a free sample. Halcyon. It needs... You again. What have you got for me this... C'est pas un truc que j'ai pas essayé. Un mot pour décrire une couleur. Flavescence. How does a small girl like you know an adult word like that? Hippolyte, un vieil lunar qui me l'a appris. Sérieux? Adlubescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth. Pourquoi on n'a pas dit directement ce mot-là à l'autre? Oh, the rarity of it. Oh, oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Félicité. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. De rien, j'adore faire le business. C'est une félicité de faire affaire avec vous. Beautiful. Use it well, kid. It's a hard business to do. Okay. Some words, but... Allons échanger le mot. Récompense. Moi, c'est un synonyme de bonheur. Peut-être pourriez-vous l'utiliser comme monnaie d'échange dans la rue marchande. Ouais. On va aller le donner à l'autre. On va nous donner je sais pas quoi. Yo ! Donne. Salut Théophile, alors comment vont les affaires ? Pas énorme. J'ai un mot. Ouais, j'ai eu. Félicité. Is a beautiful word, oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value, I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a gobble, Gregor. Un globe migrateur. Énorme. They're very futuristic. Quoi? Imagine not knowing what a gobble, Gregor is. Ah, voilà ton globe migrateur. You're all right, n'utilise pas à pleine puissance. Il arrive dans ces cas, bien sûr. Ok. Je peux échanger le gloubigrateur maintenant. Gloubigraté comme jamais, vous pourriez aussi le vendre dans la rue marchande contre une chose plus utile. Toi, tu veux quoi là par contre? Ah, mais c'est le deuxième blob. Deuxième bloob. T'as entendu des rumeurs sur les blobs? T'as rien à foutre. Intéressant, je m'en souviendrai. Quand tu t'appelles. Vraiment, waouh! Ok, dans le sac. Mais est-ce qu'il y a des bloobs avant, du coup, encore? C'est ça la vraie question. Où sont les bloobs? Alors, il y a un bloob là-haut? Est-ce qu'il y a un mini bloob là-haut? Je suis revenu là pour rien, c'était énorme. J'ai adoré. J'ai adoré ma chérie. Là-bas, il y a un bloob. Mais s'il y a un bloob, il sera re en bas, je pense.
J'ai aucune chance qu'il y ait un truc là. Ouais. Tant pis pour moi. Par là, en Bloom. Au secours, le Bloom. C'est un peu le tour, hein. Peut-être le trouver à force. Peut-être qu'il est plus loin. J'ai peur d'être là en tout cas. Ah non, y a pas de Bloom. Hein. Tant pis. On se casse. Je me casse d'ici. Le Gloobigrateur, faut le donner au mec qui est en haut par contre. Ah mais il y a un Bloom là-haut, il est là-haut, c'est bon, c'est vu, c'est repéré. C'est repéré tout de suite. Instantanément repéré. Alors la forme ? Je vais tout cracher. Beau temps, non ? Rien à foutre. Allez, je vais te ramasser. On a les trois blobs. Ta créature et puis ouais, c'est bon. Pouette. Du coup, allez donner le Gloobigrateur à lui. On les voit de loin, les. Yo! Gobble Greg to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Faisons du troc. Thank you. Here, have this fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before... forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Évidemment. Du coup, on a le D4. D à 4 faces morts. Un dé mort construit pendant la grande purge de la guerre de dé unique. Voilà qui pourrait intéresser Lisette. Et on retourne lui donner du coup. Let's gong. De toute façon, on a les deux quêtes à rendre. Papa. Je veux plus de tes mots. Ok, on a la quête à lui. You have the ingredients. Brilliant. That's all I need. Please, pass them over. Remember, you did say you'd give them to me. Est-ce qu'on lui donne? Pas question. What? I don't understand. I knew it was logical that you would choose me to be the dominant personality. That is what you want, isn't it? Non. You'll need to choose one of us. Who will it be? Je choisis le savant fou. Thank you. Oh, thank you. Oh, just need to mix them together and down the hatch. Okay. I feel strange. Whoa, oh, this is intense. Perfect. It's just me for the first time. It's just me. Thank you for this. Ça marche. I give you something in exchange for all of this. It's my partner's personality, distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? Heureusement. By the cards, I think I'm actually going to miss him. It's so quiet without him in my head.
I may actually miss him already. He'd say that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? Ahí se lo oro. Récompense, cloche de Natalia. Invoque une cloche curative qui soigne la lanceuse de dés lorsqu'elle se trouve à proximité. Pas mal ça. Pas mal. Du coup, c'est fini. Je peux trop parler. Thank you again. You'll come. Je ressens une telle solitude. Je pense presque à regretter la vie. Y'a rien de plus. Ok, on va filer le dé à l'autre. J'aimerais bien aller là. Oh. Winky. J'aimerais bien aller là. Ouais, non, y'a que elle, hein. On va donner la quête à lui. Un étrange crâne fossilisé qui pourrait vous intéresser. Oui, des points sur mon dé, vous pouvez m'aider à le réparer. You've got all the pips you need already in your glass jar, child. The only hard part is attaching them. But I can't. Un pointicien dessus de longues années de formation. A pip-tician needs years of training in restoration, just so they can convince those slippery things to stay in place. And you wouldn't dare trust the life of your companion with an amateur. But I do have it on good authority that the Pipnition does exist in the upside down town. Name, if I'm not too mistaken, of Seymour. Ou un crâne. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. Bah toi qui as fait le coup, n'est-ce pas? Quel coup? Oh, if I had such power, child, I wouldn't be lurking here, talking to strangers. No, it wasn't me. The queen destroyed all the dice, child. Well, almost. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. Ah, de rien, ça me fait plaisir, mec. Ça me plaise, bro. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. La guerre du dé unique? It was a catastrophe. The queen, child. Decided that she should be the only one to wield a dice. And so she waged war on them and on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. If, when she finds out there's still a dice and still a wielder, well, she will be apoplectic. And she is not to be toyed with. What happened here? She'll do to you and your friend here. Ah, super, ça donne envie, hein. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. Quoi, vous êtes allé là-bas? I have. It used to be so different. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden, and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden, far below random,
and far from the Queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager you don't fully know what you travel with. Oui, je voyage avec un ami. I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Nickel. Take care and random rules. Donne l'argent. Voilà la récompense. Argent, 180. Beaucoup, beaucoup d'argent. Good luck, dice wielder. And you too, little dice. Ok, on a fait combien de quêtes ? Ça m'a compté 4 sur 5, 2 sur 4 cartes et une page de livre, ok. Bien, ça me paraît pas mal tout ça. On va vite fait aller faire un tour devant l'armoire là. Voir ce qu'elle a acheté. 385. On va acheter un comme ça, on n'en a pas. Et ça c'est fort en vrai, on va la prendre. Riche danger, défense. On va reprendre le danger. Let's go! Et je peux rien acheter, c'est énorme. Du coup, au niveau du deck, il y a des trucs qui servent à rien. Ça, ça me sert à rien. On va mettre celle. Push curative. Pas vraiment besoin de soin en fait pour le moment. Peut-être virer le soin. Il y a des cartes que j'ai pas utilisées ça. Avec une horloge qui ralentit les adversaires, on s'en fout. On va mettre ça. Il y a d'autres trucs que j'ai pas besoin ça. Étreinte d'Uma, c'est marrant, mais ça sert à rien. On va prendre la cloche curative à la place. Voilà, on est pas mal là. Ouais, j'ai modifié le paquet, ouais. Ah, j'ai modifié le paquet. Bon, écoute, des bisous YouTube. À la prochaine VOD, on essaiera de trouver le pointicien. On va rajouter un point à notre dé, ça va être exceptionnel. Gros bisous.